Alors, moi, je trouve qu'il est toujours bien pratique, lorsqu'on apprend une nouvelle notion, de voir beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, je pense que trop d'exemples ne fait jamais de mal. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs nombres et il va falloir les transformer en écriture scientifique. Donc, disons qu'on commence avec 0,00852. Bon, pourquoi pas. On va prendre aussi 7... 0, 1, 2, on va mettre plein de zéros derrière. Alors, je m'arrête juste au hasard, allons, ici. Ensuite, on va prendre 0,00, 0, plein de zéros. On va dire que je vais m'arrêter là. On va prendre aussi 723. Allez. Prenons 0,6 et encore, on n'a qu'à prendre un très grand nombre une nouvelle fois, 8, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, ok, alors c'était complètement arbitraire, mais pourquoi pas. Donc, on va transformer tous ces nombres-là en écriture scientifique. Donc, pour rappel, l'écriture scientifique, c'est une écriture qui s'écrit sous la forme suivante. On a A multiplié par 10 puissance B. Hein? Et A, en fait, c'est ça qui est important. Ça, c'est une puissance de B quelconque. Et A, il est compris inférieur à 10, inférieur strictement, et supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, j'ai un nombre qui est compris entre 1 et 10, 10 exclu, multiplié par une puissance de 10. Et ça, c'est l'écriture scientifique d'un nombre très petit, très grand ou très petit, comme on le voit ici. Donc, on va, en se souvenant de ça, de la forme de la notation scientifique, écrire tous ces nombres en écriture scientifique. Et finalement, la première chose à faire, ça va être de trouver quel est ce nombre A qu'il va falloir. Quel est ce nombre A qu'on va avoir dans notre notation. Et donc, si on regarde pour un nombre, par exemple, tout petit, donc inférieur à 1, on a 0,00852. Et bien, on part de la gauche, depuis la virgule, et on regarde à quel moment on tombe sur le premier chiffre non nul. Ici, c'est 8. Donc, 8, si jamais on déplace la virgule de 1, 2, 3 rangs vers la droite, eh bien, on obtient 8,52. Bon, ben ça va être notre nombre A. Et maintenant, il faut savoir, une stratégie, ça va être de trouver par quelle puissance de 10 il faut multiplier 8,52 pour retomber sur notre chiffre initial. Eh bien, partir du 8,52 pour retomber à 0,00852, ça revient à déplacer la virgule vers la gauche 3 fois. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Eh bien, c'est multiplier par 10 à la puissance moins 3. Hein, puisque quand on multiplie par 10 puissance moins 1, on déplace de 1 rang vers la gauche, 10 puissance moins 2, 2 rangs vers la gauche, 10 puissance moins 3, 3 rangs vers la gauche. Tu n'as qu'à prendre 8 multiplié par 10 puissance moins 1, ou 8 divisé par 10, c'est pareil, et pour t'en convaincre. Donc on passe au prochain nombre. Là, on a 7, 0, 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10, 0 derrière. Alors d'abord, on va chercher A. A, qu'est-ce que c'est? Eh bien, A, ça va être 7,012. Hein, c'est le seul nombre qui va être compris entre 1 et 10. On a 7,012. Et pour passer de 7,012 à... Alors combien j'ai de 0? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 chiffres après le 7. Ça veut dire que j'ai quelque chose comme 70 000 milliards. Donc j'ai 13 chiffres. Pour passer de 7,012 à ce nombre-là, il faut que je déplace la virgule de 13 fois vers la droite. Et ça, je peux le faire en multipliant par 10 puissance 13. Je continue avec 0,00000000005. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zéros plus le 5. Donc j'ai 11 rangs à droite de la virgule pour pouvoir arriver au 5. Donc si j'écris que mon petit a c'est le 5, il faut que je déplace la virgule
vers la gauche, admettons que j'ai une virgule ici, donc c'est si j'ai 5,0, ça revient au même, ça ne change pas la valeur, il faut que je déplace la virgule 11 fois vers la gauche pour obtenir ce nombre-là. Donc ça, c'est 10 puissance moins 11 qui me le permet. Maintenant, 723, alors 723, ça peut pas paraître vraiment utile de l'écrire en écriture scientifique, mais c'est pas grave, rien ne nous empêche de le faire. 723, c'est facile. 723, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe si j'ai 7,23 multiplié par 100? Eh bien, j'obtiens 723, c'est immédiat. J'ai 7,23 que je dois multiplier. Alors là, admettons qu'on ne sache pas que c'est 10 puissance 2, que c'est 100. On regarde 7,23, il faut déplacer combien la virgule vers la droite? Il faut déplacer une fois, deux fois pour obtenir 723, donc 10 puissance 2. 0,6 aussi, c'est vraiment pas utile de l'écrire en écriture scientifique, mais encore une fois, on le fait, on s'en moque. 0,6, c'est égal à 6 multiplié par 0,1. Et 0,1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 0,1, c'est 10 puissance moins 1. Quand j'ai 6, si je veux retomber sur 0,6, il faut que je déplace la virgule 6,0, il faut que je déplace la virgule d'un rang vers la gauche, donc que je multiplie par 10 puissance moins 1. Dernier nombre, j'ai 8, 2, 3 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros derrière. Donc j'ai 10 chiffres après le 8. Donc le A ici, ça va être 8,23. Et il va falloir que je déplace la virgule de combien de rangs? Je viens de le dire, 10 fois. Donc il faut que je déplace la virgule 10 fois vers la droite, donc que je multiplie par 10 puissance 10. Alors voilà pour l'obtention d'écriture scientifique à partir de nombres plus ou moins complexes. Maintenant, on va utiliser un autre côté de l'écriture scientifique. Plus au-delà de la simplicité d'écriture, c'est également la simplicité de calcul. Par exemple, si on considère la multiplication suivante, on a 0,00000075 que l'on multiplie à un nombre très grand, tiens, on va prendre 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va mettre 10 zéros. Eh bien, si on veut faire la multiplication de ces deux nombres, eh bien, si on devait la faire comme ça, ce serait vraiment très compliqué et très long. Donc, regardons qu'est-ce qui se passe si on les écrit en écriture scientifique. Donc, on transforme d'abord celui-là en écriture scientifique. On va avoir 6,4 multiplié par. Alors là, on regarde combien de fois on déplace la virgule. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, multiplié par 10 puissance moins 6. Multiplié par. Et alors là, on a 32 et plein de zéros derrière. Donc, 3,2. Et là, on déplace. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 32 fois 10 puissance 11. Et ça, je peux le réécrire en changeant l'ordre, puisque c'est une multiplication. J'ai 6,4 multiplié par 3,2 multiplié par 10 puissance moins 6 multiplié par 10 puissance 11. Et donc, je commence par dire que j'ai 6,4 fois 3,2. Alors je vais le faire à la main, on est dans les calculs. 6,4 fois 3,2, 2 fois 4, 8, 2 fois 6, 12. Je fais tomber un 0. Maintenant j'ai 3 fois 4, 12. Je pose 2, je retiens 1. 3 fois 6, 18 et 1, 19. J'ajoute 8, 4, 9 et 1, 10 et 1. 2 et 1, 2. Donc j'ai fait tomber la virgule. Deux chiffres après la virgule, j'ai 20,48. Donc 6,4 fois 3,2, ça fait 20,48. Et 10 moins 6, 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 11, c'est égal à 10 puissance moins 6 plus 11. Donc fois 10 puissance moins 6 plus 11 par la propriété des exposants. Ça, c'est égal à 20,48 fois 10 puissance 5. Mais tu me diras, mais en fait, c'est pas fini.
Parce que tu auras remarqué que 20,48, ce n'est pas un nombre qui est inférieur à 10, c'est supérieur à 10. Donc ça n'est pas strictement une écriture scientifique. Pour avoir une écriture scientifique, il faudrait commencer par transformer 20,48 en écriture scientifique. Bah, 20,48, il suffit que je déplace la virgule d'un rang vers la gauche, donc j'écris que j'ai 2,048, et pour retomber sur 20,48, il faut que je multiplie par 10 puissance 1. Et donc pour obtenir ça, je rajoute le 10 puissance 5 que j'ai là, et ça me donne 2,048 multiplié par 10 puissance 1 fois 10 puissance 5, c'est 10 puissance 1 plus 5, 10 puissance 6. Voilà l'opération qui paraît très compliquée ici, juste une multiplication de deux nombres, est en réalité très simple si on utilise les écritures scientifiques. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si en fait on avait fait la division de ces deux nombres. Donc on va le reprendre. Eh bien, donc on va faire la division juste en haut. On va dire qu'on a 3,2 fois 10 puissance 11 qu'on divise par 6,4 fois 10 puissance moins 6. Ça, c'est égal à, je peux séparer les deux, je peux transformer ça en le produit de deux quotients. Donc d'une part, 3,2 divisé par 6,4 multiplié par 10 puissance 11 divisé par 10 puissance moins 6. Et le premier, donc 3,2 divisé par 6,4, bah ça c'est tout simplement égal à 1 demi, 0,5. Hein. 6,4 c'est égal à 2 fois 3,2. Donc là j'ai 0,5 multiplié par 10 puissance 11 divisé par 10 puissance moins 6, c'est égal à 10 puissance 11 moins 6. Donc c'est égal à 0,5 fois 10 puissance 11 moins 6, 10 puissance 17. Et c'est pas fini. 0,5, c'est pas un nombre qui est compris entre 1 et 10, c'est inférieur à 1. Donc là, encore une fois, je vais transformer 0,5 en écriture scientifique. 0,5, c'est égal à 5 fois. Alors là, pour passer de 5 à 0,5, je déplace la virgule vers la gauche, la virgule imaginaire, hein, vers la gauche. Donc je multiplie par 10 puissance moins 1 et je multiplie ici par 10 puissance 17. Et donc j'obtiens 5 fois 10 puissance moins 1 plus 17 fois 10 puissance 16.